Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une petite vidéo juste pour vous montrer un petit peu que la démo en fait du prochain Splatfest est déjà disponible. Alors elle était disponible au Japon un peu plus tôt. Là je suis en train de télécharger la version française, donc je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu la version japonaise. Ce sera pareil, mais quand vous le ferez vous-même, ce sera en français. Donc on va tester ça ensemble. Il s'avère qu'on peut commencer cette démo avant même que le Splatfest sorte, pour la simple et bonne raison que on peut faire le tutoriel de départ, et au moins on peut faire se balader dans Chromapolis avant le début du Splatfest, et on va voir ça ensemble du coup. Donc là il y a la personnalisation de personnages. Je vais pas rentrer en détail, moi je vais juste me faire un personnage assez basique. Je pense que je ferai un personnage d'ailleurs comme ceci, avec les yeux orange et probablement cette coupe de cheveux. J'aime beaucoup celle-là, mais je pense que tout le monde va la choisir, donc ma deuxième préférée c'est celle-là, je pense, parce que j'ai pas envie de reprendre l'ancienne. Voilà, ça je trouve ça pas beau, et du coup on va prendre celle-là. Je sais pas si je garderai ça toute ma vie, mais au moins pour commencer on va faire comme ça, et on va se mettre un short comme ceci. Ta 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 ta. Ok, alors imaginez pas que je parle japonais, c'est juste que je sais que à gauche c'est pour dire non, je veux revenir en arrière. Donc on va voir un petit peu ensemble ce que c'est que ce début de démo. On a normalement accès au tutoriel, voilà, on apparaît, on est dans des espèces d'allées à Chromapolis, je suppose, pas loin du centre. Et c'est là qu'il nous explique un peu, bah, comme dans Splatoon 1, comment ça marche, toutes les touches, etc. Et donc, on peut essayer de tirer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, ils nous donnent des. Ouais, ils nous disent les touches sur lesquelles il faut appuyer. Voilà. Alors, on va regarder vite fait ce qu'il y a autour un petit peu. Alors, la sensibilité gyro, c'est assez moche, mais c'est pas grave. Alors là, c'est marrant parce que on est vraiment dans une. C'est un métro, quoi. C'est un train là, bon, on va prendre notre ticket, d'ailleurs il y a le plan ici. Est-ce qu'on peut repeindre? Non. Et c'est comme si on était nouveau et qu'on arrivait en train à Chromapolis, quoi. Donc c'est assez bien fait, j'aime bien le concept. Après là, la partie tutoriel c'est quand même assez classique, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on peut. On peut monter là? Est-ce que c'est un raccourci? C'est un raccourci de ouf. Attention, Evil Squid fait des glitches. Pas du tout. Mais du coup, je pense que j'ai sauté toute une étape. C'est pas très grave de toute manière. Le but, c'est vraiment, dans cette vidéo, c'est juste de vous montrer que le tutoriel existe. Vous aurez l'occasion de le faire vous-même Bah, quand vous l'aurez téléchargé, hein. C'est pas pour vous montrer un truc en profondeur. C'est vraiment pour vous tenir au courant. Après, j'aime beaucoup les décors. Je trouve que les décors là sont beaucoup mieux que le mode tutoriel de Splatoon 1. On se sent vraiment en ville déjà. Il y a des espèces d'appartements. Enfin, là, on est chez les Méduses, quoi, carrément. Là, c'est leur salon ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est plutôt stylé. On a la rue ici. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. On a des avions qui passaient dans le ciel, voilà. Et puis on peut se téléporter donc au carré de Chromapolis, enfin le square de Chromapolis, pardon. Faut que je prenne l'habitude de l'appeler comme ça. Et on va découvrir un petit peu ensemble ces allées de la ville. On a donc l'annonce des Squid Sisters qu'on a pu voir dans ma précédente vidéo notamment, mais dans le Nintendo Direct. Donc je vais passer un peu vite, d'autant que là c'est en japonais, vous pourrez regarder tout ça en français au calme. Et donc vous allez voir que le Splatfest japonais, c'est bien effectivement, c'est pas le même thème que nous en France, c'est pop versus rock, c'est pas aux mêmes horaires non plus. Et du coup en fait il y a trois démos téléchargeables disponibles, une démo japonaise, une démo européenne et une démo américaine. Ça veut dire que si vous téléchargez les trois démos, alors pour ça il faut que vous ayez trois comptes qui soient attribués à chacune des régions, mais si vous téléchargez les trois démos, il est possible que vous puissiez faire les trois Splatfest en fait, qui sont à des horaires différentes entre le 15 et le 16 juillet heure française. Donc si vous êtes un petit peu mordu de Splatoon, je vous invite à faire ça pour tester et voir si effectivement on peut faire plusieurs Splatfest. Alors le Splatfest américain se passe en pleine nuit pour nous, de 1h je crois, 1h du mat à 4h ou 5h, je sais plus. Mais le Splatfest japonais, pour nous, c'est l'après-midi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, on a accès au menu. J'ai cliqué un peu au pif, mais on peut voir les différents magasins. On a nos équipements qu'on a sur nous.
les compétences, nos fragments de compétences. Alors du coup, on peut voir un peu les compétences qui ont des fragments. Ça veut dire que elles sont, c'est des compétences qu'on peut mettre en secondaire. Celles qui n'ont pas de fragments, du coup, ça veut dire que c'est pas des compétences qu'on peut mettre en secondaire. C'est pas très, voilà, c'est pas de grande surprise là-dessus. On a quoi d'autre? Je ne parle pas japonais, mais ça, c'est les différents modes. Qu'est-ce qui est ouvert en ce moment? Pour l'instant, rien du tout. Salmon Run, rien du tout. Évidemment, c'est la démo. Ici, les différentes sensibilités, on va cliquer. Moi, en général, je mets plus 3 ici et peut-être plus 1 ou plus 2 par là, sachant qu'on peut avoir différentes sensibilités en fonction du mode télé et du mode portable. Là, donc c'est télé, je pense, et là, c'est le mode portable. J'ai jamais vraiment fait gaffe à quel genre de truc je pouvais mettre, donc je mets un peu au pif. Et ça, je ne sais pas. Voilà. Donc ça c'est le menu, on peut maintenant se balader un petit peu, on a Krusty Sean qui peut nous vendre de la bouffe. Alors on a pu voir, à nouveau hein, je vous laisserai découvrir tout ça, si on appuie sur X, il vend des boissons aussi. Probablement que c'est des fragments de compétences du coup, parce que j'ai l'impression que c'est uniquement des compétences qu'on peut avoir en secondaire. Vous pouvez voir en bas à droite de l'écran qu'il faut des tickets. J'ai zéro ticket, donc je pense que je peux pas en acheter. Là, il me dit non, non, t'es pauvre, rentre chez toi. Et du coup, la question, c'est vraiment comment on peut obtenir ces tickets, quoi. Alors, probablement que ce sera des récompenses de Salmon Run, mais on n'en sait rien. En tout cas, ça n'a pas été annoncé. Après, ça a l'air plutôt sympa. Il y a des tables, il y a les amiibo là-bas. Il y a déjà des gens qui ont commencé à dessiner. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite. Pour dessiner, c'est la boîte aux lettres qui est ici. Alors, à la différence que maintenant, on n'a pas de, on n'a plus de stylet sur le. Enfin, du coup, là, je vais être en mode tablette, donc je vais dessiner un peu moche, quoi. Je peux faire des lignes droites, mais on a. Si vous jouez en mode tablette, vous pouvez dessiner avec vos doigts, mais là, je suis en mode télé, donc je suis obligé de dessiner au joystick. C'est un peu moche. D'ailleurs, on voit bien que j'arrive à rien faire, mais c'est juste vraiment pour vous montrer. On peut faire. Ah, j'ai fait une capture d'écran, d'accord, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, on peut publier ça sur Twitter, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne veux pas. Je ne sais pas comment on valide. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas, mais vu que c'est tout en japonais, c'est galère, mais en français, ce serait sûrement plus simple à comprendre. On a les magasins, donc là, c'est la nouvelle personne avec les chapeaux, qui s'appelle Flo, qui nous vend des chapeaux qu'on ne peut pas acheter pour le moment. Elle a aussi un truc dans les cheveux, c'est d'ailleurs marrant de voir que c'est comme un peu Anémone, ils étaient deux, bah là aussi ils sont deux, mais ça n'a pas l'air d'être le petit truc dans la tête qui parle. On a ici le magasin de t-shirts avec GG Latineux, si je dis pas de bêtises. On ne peut pas acheter non plus. Ça nous met dehors, forcément. On a les chaussures avec bisque. Quelqu'un me faisait la remarque en commentaire que c'était pas un crabe, c'était peut-être un Bernard l'ermite. Sans coquillage, alors c'est peut-être vrai, je ne sais pas, je m'y connais pas vraiment, j'ai pas fait de recherche non plus là-dessus. Mais voilà, on peut rien acheter pour l'instant. On peut aller voir vite fait ce que Sheldon nous dit. Enfin, ce que Cartouche nous dit. Sheldon, c'est son nom anglais. Il y a déjà beaucoup de dessins, c'est marrant de voir que la majorité des dessins sont en fait les nouvelles idoles, les tentacules, et notamment, principalement. Coralie, qui est beaucoup plus appréciée, comme je le disais dans ma précédente vidéo, beaucoup plus appréciée que les autres. Alors là, tout est bloqué, donc on pourra peut-être pas. Disons que pour le Splatfest, c'est possible qu'on ait un jeu d'armes très limité et qu'on pourra pas aller voir Cartouche pour acheter ce qu'on veut. Ce sera sûrement, on pourra choisir sûrement dès le départ. Bah, ils vont nous dire, vas-y, t'as ces armes-là, tu peux choisir. Et donc j'appuie toujours sur ce bouton-là pour sauter. Et un truc intéressant, c'est qu'on a nos Squid Sisters, nos nouvelles Squid Sisters, on peut pas vraiment les appeler comme ça, qui sont ici. Je pense qu'elles nous disent bonjour aussi si on les regarde assez longtemps. Allez, allez.
Bonjour, voilà, salut. Ok, et on a un petit clin d'œil ici, c'est qu'on a Kipik au café. On l'avait vu, hein, il y avait des plans comme ça qui nous montraient que d'ici on voyait effectivement un oursin. Mais là maintenant c'est bien lui, on le voit. On voit Kipik qui, je sais pas si lui il peut nous regarder si on l'observe, mais bon, il est là, il a pas l'air de très bonne humeur. Ah si, il nous regarde. Salut. Voilà, c'est tout. Merci Kipik pour ta participation à cette vidéo. Voilà, c'est vraiment un décor hein, ici. C'est, je pense pas qu'il y aura quelque chose, sauf s'ils ajoutent des DLC, peut-être qu'ils rajouteront des trucs ici, mais globalement c'est vraiment juste décoratif. Dommage parce que ça donne envie d'y aller, mais on peut pas. Voilà. Ici non plus, je pense pas qu'on puisse. Voilà, bon, je fais cette petite vidéo un peu pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas la Nintendo Switch et qui peuvent pas du coup regarder. Mais globalement, il n'y a rien de formidable, hein, c'est juste, je vous invite à tester tout ça vous-même, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors là, on peut pas rentrer dans le mode à plusieurs, multi. On peut pas non plus faire les mini-jeux, mais on peut voir qu'il y en a plusieurs. Voilà, ce sera un peu la surprise, quand le jeu sortira. Ici, c'est la gare. Sûrement la gare par laquelle on arrive dans Chromapolis, par laquelle on est venu. Enfin, c'est possible en tout cas. Ça a l'air d'être par là qu'on est arrivé. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. C'est peut-être faux, mais il y a des travaux ici. On peut enfin voir ce que ça donne. On a des grues. Ça, c'est le genre de truc où on peut se dire effectivement, si un jour Nintendo veut faire une grosse mise à jour, eh ben ils peuvent agrandir la map et rajouter des magasins, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. On peut faire un peu de skate. C'est super, voilà. Et le dernier truc, finalement, qui est en fait qu'on peut pas aller. Alors, ici, c'est pour choisir son camp, je pense. Voilà, on va choisir. Donc, c'est Pop versus Rock. Rock à gauche, je suppose, Pop à droite. Je vais mettre Rock, même si je m'en fiche un peu. C'est vraiment juste pour le Splatfest japonaise. Donc, j'aurai à nouveau un choix à faire. Pour le Splatfest européen. Mais ça me donne des trucs. Ah tiens, en fait on a déjà les armes sur nous. Et oui, donc c'est peut-être ces quatre armes là qu'on pourra utiliser pour le Splatfest. Moi j'utiliserai sûrement le rouleau. Principalement le rouleau. Parce que je sais pas, il me hype un peu. Et j'ai mon t-shirt de Splatfest. Voilà. Qui. Ah, la capacité un peu bizarre dont je parlais dans la précédente vidéo, qui a priori ça laisse sous-entendre que les trois capacités secondaires qui seront en dessous seront décuplées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas vraiment si ça a un intérêt au-delà des t-shirts Splatfest, mais bon ça fait plaisir à voir. Et on termine donc avec le hall pour aller se battre, dans lequel on peut pas vraiment accéder. On peut rentrer, mais on peut pas vraiment jouer. C'est marrant de voir que la plupart des gens sont en rose et vert, il y a quand même quelqu'un en bleu, enfin bleu-violet quoi, donc je sais pas comment cette personne a réussi à changer de couleur. Je ne sais pas, mais donc vous allez voir que normalement ici ils vont nous dire non, du balai, tu ne peux rien faire, c'est pas le moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était juste une petite découverte entre nous. Je vous invite à aller découvrir ça vous-même, en français d'ailleurs, hein, ça sera plus simple pour tout comprendre, et puis sûrement plus intéressant aussi. N'oubliez pas donc qu'il y a un Splatfest le 15 juillet à 18h en France, entre 18h et 22h, et que très probablement on pourra faire ceux des autres régions. Je crois que c'est 14h pour le Splatfest japonais et 1h du mat le 16 juillet pour le Splatfest américain. Voilà, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Bon, en tout cas, bon, c'est plutôt cool. Ça nous met le premier pied dans Splatoon 2, le vrai premier pied. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!